Yo les gens, c'est Isoka et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo analyse où on va parler de notre ami Sasuke Super Impact. Donc cost 100 au départ, type skill 2036 de vie pour 2406 d'attaque short range. Les statistiques font rêver, elles sont quand même énormes. L'effet des Buddy Skill réduit les chances d'être immobilisé de 20 à 25% pour le field et Buddy réduit les chances d'être immobilisé de 25%. Le Jutsu Ultimate ratio 4-8, ça déjà ça fait plaisir à entendre. 3.1 fois son attaque sur un seul ennemi et repousse. Pour un tour, réduit les dégâts reçus de 30%. Donc il va. Enfin ça c'est après le Jutsu. C'est un bon effet, c'est un très gros effet. D'habitude, ça, faut savoir qu'il y a le Kakashi de Susanoo qui a le même effet. Je crois quand même il y a plus de tours, mais il y a 30%, sauf que c'est sur l'ultimate, là c'est sur le Jutsu. C'est quand même assez intéressant, c'est franchement pas mal du tout. Ensuite on a l'ultimate, 6.5 fois sur un seul ennemi, 40% de chance d'immobiliser pendant 2 tours et repousse. Et excusez-moi, j'ai marqué pour 2 tous alors que c'est pour 2 tours, j'ai oublié le R, excusez-moi. Donc pour 2 tours, réduit les dégâts reçus de 30%. Donc voilà, le même effet, le réduit les dégâts de 30% qui est très très bien. Et là on a une chance d'immobiliser par contre qui est un taux assez... pas très haut, hein, 40% c'est pas non plus incroyable. En tout cas, les habilités, elles, sont vraiment pas dégueu du tout. La première vous offre un boost de 150, les 150 sont déjà comptés dans la stat d'attaque en haut, c'est déjà tout compté, full habilité, full max, vous le savez. Ensuite, il a un plus 1 chakra à la prochaine map, donc ça c'est aussi intéressant, vu que c'est une version PVE, c'est très très bien. Plus 150 d'attaque, encore une fois, c'est comptabilisé en haut. Et là, par contre, pour la fin, ce qui est... pas mal du tout, boost les dégâts bréverie de 15%, boost les dégâts contre les wisdom de 15%. Encore dans quelle utilité ça pourrait être utilisé en ninja road, sinon je vois pas vraiment. On va rarement partir avec du skill sur des events bréverie et wisdom, je vois pas trop l'intérêt. Peut-être qu'ils ont voulu faire un petit truc en mode Naruto tank les wisdom et les bréverie et Sasuke lui fait des dégâts contre les wisdom et les bréverie. Voilà, une petite liaison, mais c'est pas non plus incroyable. En termes de lien, il est très 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 intéressant. Il a le lien Leaf, donc avec le personnage de Konoha, qui réduit les dégâts Earth de 15%, donc son contre-type, ce qui est très très bien. Il a le lien Uchiwa, qui est très très bien, réduit les dégâts de 15%, c'est très très fort. Et les stats PVP sont de 31548, 3859 d'attaque, c'est quand même très très élevé, pour 211 de speed, maxé, ce qui est quand même une stat très faible pour le coup, mais on ne jouera pas cette version en PVP, bien évidemment. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu, cette analyse de Sasuke Super Impact sur sa version PVE. Globalement le personnage est assez intéressant, mais vous verrez par la suite quand je ferai l'analyse de Sasuke version PVP qu'il est monstrueux. En tout cas, si ça vous a plu, petit pouce bleu, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, c'était Isoka, ciao tout le monde.